Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Pour cette première séance, on va vous proposer un travail sur le skill en haltérophilie. Ok, on va travailler sa trajectoire avec simplement un balai. Trajectoire sur le mouvement du clean, l'épaulé. Donc sur un émum de 18 minutes, la première minute, on va faire 10 deadlifts. La deuxième minute, on va faire le complexe 1 deadlift plus 1 high pull 6 fois. Et la troisième minute, on fait le complexe 1 deadlift, 1 high pull, 1 muscle clean 3 fois. Et donc on reprend jusqu'à faire ça pendant 18 minutes. Le deadlift, c'est ce mouvement ici de soulever de terre. On va prendre en haltérophilie son hook grip. Donc on entoure son pouce. On est poitrine sortie. Regard ici au sol vers l'avant. On ne casse pas la colonne, ok, avec les cervicales. Les cervicales restent dans l'axe. On vient descendre les épaules en direction des fesses. On ne les laisse pas tomber devant. Et on va se redresser bras tendus. Première minute, deadlift. Deuxième minute, deadlift plus high pull. Le high pull, c'est ce tirage haut. Donc deadlift, high pull. J'attends de passer les genoux pour réengager les hanches, serrer les fesses, monter pointe de pied, monter les épaules, monter les coudes. Et on redescend. Sans saccade. On reste proche du corps. Et le dernier, deadlift, high pull, muscle clean. Et on doit tenir sur sa pointe des pieds. J'y suis encore. Ok? On doit avoir les fesses serrées, les coudes bien hauts. Et être capable de tenir sur sa pointe des pieds. Si on ne tient pas sur la pointe des pieds, c'est qu'il y a une erreur de trajectoire ou de muscle qui n'est pas engagé, qui devrait l'être. Ça, c'est notre première partie. Pour le WOD, simple, rapide et efficace. Time cap, 4 minutes. Deux mouvements. Shuttle run, double under. 10 mètres de shuttle run, 30 double under. 10 mètres de shuttle run, 20 double under. 10 mètres de shuttle run, 10 double under. Si vous n'avez pas la possibilité de faire de la corde à sauter, vous allez simplement faire des sauts de part et d'autre du balai que vous avez utilisé juste avant. Donc là, vraiment, très simple, très rapide, très efficace. Okay? Il faut y aller dès le début. Je vous conseille bien sûr de pratiquer un peu les double under avant de démarrer et de monter le cardio avant de démarrer. Donc première partie haltéro, deuxième partie cardio. Pur et simple. Ok ? Dites-nous ce que vous en avez pensé. Amusez-vous, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de la partie haltéro. On est là pour vous corriger. Let's go !